Salut, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un produit que j'ai acheté chez Lidl. Donc ce sera un haut Lidl. C'est un défroisseur. Ça faisait un petit moment que je cherchais ce genre de produit. J'avais été même également à Conforama et dans d'autres magasins, mais je ne trouvais pas. Et puis en plus, ils étaient vraiment beaucoup plus chers. Là, le prix que je l'ai acheté, ça vaut vraiment la peine. Et donc je pensais pas en trouver, je me suis dit ça se trouve vendredi il n'y en aura plus et tout, je l'avais repéré dans le magazine Lidl et en fait non, j'y suis allée et il y en avait encore, donc c'est super. Donc je vais le tester, vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti. Donc la boîte se présente comme ça, donc c'est le défroisseur à main. Je l'ai payé 19,90 €. Donc vous avez le défroisseur et vous avez aussi une brosse. Et donc en fait... Le défroisseur tout seul permet en fait de défroisser les textiles suspendus. Et vous avez la petite brosse. Et ça, c'est pour... je l'avais lu à quelque part. Attendez un instant. Voilà. En bout brosse pour les tissus plus épais. Voilà. Donc ça, c'est bien pour les tissus plus épais dont on a du mal à défroisser. Donc c'est apparemment plus pratique. Donc je vais vous montrer le produit quand même. Il se présente comme ça. Donc là j'ai mis de l'eau. Je vais le brancher pour vous montrer comment il est. Puis je vais essayer aussi sur des vêtements. Voilà. Donc en fait là ça clignote. Normalement ça va clignoter. Et donc là il faut attendre un petit peu pour que ça chauffe. Et voilà. On va attendre 5 minutes. Et du coup, vous devez prendre un vêtement que vous allez accrocher dans un cintre et puis vous passez, si c'est une chemise par exemple ou une veste, je sais pas, et vous passez dessus et ça va faire de la vapeur. Je vous montre comment ça marche déjà. Hop. Donc là, il y a un petit bouton, hop, comme ça. Et là, ça fait la fumée, vous voyez. Mais il est super puissant, hein, il marche vraiment bien pour le coup. Donc je vais le tester. Par exemple, j'ai cette veste, je suis vraiment dégoûtée. Elle est toute neuve, mais comme je l'ai lavée à la machine et que je sais pas, soit j'ai mis trop de linge, ben, elle était complètement froissée. Ce qui est dommage parce que ça, même avec le fer à repasser, c'est un peu galère. Mais là, c'est vraiment puissant pour le coup. Voilà. Normalement, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas parce que moi, je l'ai déjà testé. Vous voyez comment c'est puissant, toute la fumée qui part. Et voilà. Donc ça va être super facile. Ah ouais, ça marche. Bon là, je vous montre comme ça, mais faut mieux le suspendre, hein. Faut le suspendre et puis après le repasser le linge, quoi, la veste ou la chemise, quoi. Tiens, je vais essayer avec la brosse, je vais tester. Alors, comment se met la brosse? Oh ben c'est super pratique. Voilà, je savais pas. Ben, super pratique à mettre. Super simple. Oh, ça marche super bien. C'est sans sens. Franchement, pour le coup, c'est mieux que le fer à repasser. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est génial. Ça, il est super puissant. Voilà. Donc pour ma veste, elle est pas mal repassée. Ça, c'était vraiment tout froissé par rapport à tout à l'heure. Bon, il en reste encore un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, donc il faut quand même repasser encore une fois. Mais franchement, par rapport à comment elle était au début, c'est vraiment bien. Je suis bien contente qu'elle ait repassé comme ça parce que quand j'ai vu ma veste toute froissée là, je me suis dit comment je vais faire. Pour la repasser, franchement, je me suis vraiment posé la question. Avec le fer à repasser, ça aurait été vraiment galère. Bon, après, c'est vrai, en une seule fois, ça n'a pas complètement enlevé tous les plis, mais c'est franchement pas mal. Là, je pense le refaire une deuxième fois et ça devrait aller. Par contre, c'est super chaud. Là, je transe, j'ai vraiment très très chaud. Il est super puissant, mais il est vraiment très très chaud. Voilà.
Pareil, je l'ai testée sur une robe, mais ma robe, elle était complètement toute froissée. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Et franchement, j'ai passé pareil, enfin, ce défroisseur, et c'était nickel, super. Bon, là, voilà, franchement, je suis super satisfaite du défroisseur. Hein. Je vous le conseille. Ouais. Donc, le défroisseur, on peut l'utiliser aussi donc pour les textiles légers, comme les petits hauts, ça, avec le fer à repasser, ça va très vite aussi. Alors, moi, je l'ai acheté, ce défroisseur, surtout pour les vestes qui sont vraiment bien froissées. Donc, comme cette veste que je vous ai montrée, où j'avais une robe aussi qui était très difficile à repasser. Donc, je l'ai utilisée et ça a vraiment marché super bien. J'avais une robe en jean qui était vraiment très froissée. Et voilà, je l'ai utilisé et ça a super bien marché, voilà, pour le coup. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire, ce que vous pensez de ce défroisseur. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis. Moi, je pense que franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment très pratique d'en avoir un, en tout cas. Moi, j'ai acheté celui de Lidl. Je ne sais pas si dans d'autres magasins, ils en vendent. En tout cas, je suis très satisfaite et voilà, je vous le recommande. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à bientôt.